Et ben, vous savez ce qui m'a sauvé ma jambe? Pas de rien du tout. Tu s'en fous quand même. Tu sais reconstituer. Ouais, je sais. Ça va. Tu te le vide et puis après, ouais. Mais ceux-là, ils sont bons. Après, je sais pas, pas les trucs transparents comme l'OS, c'est sur un des plus épais. Ouais. Où ils font des mélanges avec d'autres. Il faut que ce soit du bon, quoi. C'est pas assez, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que le lait, paraît-il, pour l'ostéoporose et tout ça, c'est très mauvais. Et la ménopause, c'est du bordel. Tu vas prendre la guitare. C'est carrément presque un poison. De toute façon, tu sais que quand on est. Sur un de purée, l'allaitement. En fait, un enfant, c'est à 9 mois ou quoi, tu perds la capacité de digérer le lait. Normalement, une personne ne doit pas digérer le lait. Tu n'as plus de règles qui arrivent à digérer. Mais normalement, tu peux pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne le digèrent pas. Parce qu'en fait, quand tu es bébé, tu perds cette espèce de truc là qui te fait digérer le lait. Moi, j'ai du mal avec le lait. On appelle SAMU social. Bonjour, assistant social. Bonjour. Moi je vous dis ça, j'ai une copine, putain, c'est parti, elle m'a fait ça 4 jours. Il y a moins de 2 ans, tu t'es accordé. J'ai dit bye bye. Moi je connais une copine, putain de merde, elle est arrivée du col. Et alors le LSD, bon. Ouais. Bonjour. Ouais, faut mieux manger un bon repas avant, quoi. Il avait envie de parler ce soir, Michel. Ouais. Si t'as le ventre vide, faut faire attention. Faut boire de l'eau. Si, ça peut le faire. Hein. Acide. Oh là là. Que je suis triste. Oh, triste. Non, triste, maîtresse. Triste. Non. Pas le fouet, quoi. Merci, maître. Merci, maître. Te dire la con, ça. Mais ça existe. Ouais, elles sont sympas, les nanas de supermarché. Ah, à la limite, on les invite un jour. Ah, c'est prévu qu'avec vous deux, on fasse un apéro. Parce que moi, elle ne va pas se. Moi, une fois, j'ai tout souvenir 20 minutes avec vous. J'avais la moto dehors et tout. Océane. Elle m'a fait, vous avez la moto? Je peux voir. J'ai discuté pour gentil. Et je fais, ouais, mais tu travailles là, machin, truc et tout, mais tu bosses vite. Enfin bref, on a parlé, machin. Je l'emballe, emballé, c'est pesé. Il y a un mec qui fait complètement craquer, si tu le parles d'elle. Je sais pas là. Elle me fait craquer. Vous me le pesez là. Sylvie, elle s'appelle. C'est pas la petite. Les cheveux qui grasent et tout. Ah, tu sais, moi, j'ai un problème dans la vision, dans la reconnaissance des gens. Parce qu'elle est belle. Et elle va avoir 50 ans. Moi j'ai dit si tu veux, je t'invite à boire un verre. Elle m'a dit pourquoi pas. Halloween. Alors je me suis rappelé avec l'Open Electra, tu vois. Allô. On y va tous, on met des petits beurres, on nettoie un peu. Ah, c'est joli ici. Bon. Excusez-moi, ils sont où les toilettes? Vas-y, prends un gaz. Il y a au moins 2 gorges qui sonnent. Ils sont trop fiers. Ils sont où les toilettes? Est-ce que je peux me faire un brin de toilette, de maquillage dans la salle de bain? Oui. Allez-y, Charmana. Zut alors, hein. Le charmographe est accroché. Merde. Si vous voulez vous prendre une douche. Vas-y, Gorfi, on est un peu. Mais elles sont sympas, les nanas, sont sympas. Ouais. Et moi, presque, j'avais avec le machin, on discute dehors et tout. Ouais. Non, mais je leur ai dit, putain, vous êtes bien là, vous êtes la chambre. Ben, on en revient à ce qu'on disait. J'ai dit, vous n'êtes pas dans le gros supermarché. Mec, tu le tiens, ça. Ouais. Elle me dit, ouais, non, c'est bien. Elle me dit, oui, mais putain, hier, il y a un vieux qui m'a insulté, qui m'a engueulé. Tu le tiens. Tu l'envoies chier, le vieux, quoi. Qu'est-ce que c'est, toi, ça, le vieux, putain. Tu prends juste la première.
Mais j'ai pas envie, Fais. Bon. Mais vas-y, parce que je vais sortir la guitare. Mais pourquoi tu mets pas un peu de musique? Parce que j'en dis, il accélère pas. Qu'est-ce que tu veux qu'il accélère? Il a bien compris. Je suis à fond là. Ah oui, il est à fond sur son chapitre. Il est en train de monter la moyenne corniche en chapitre à 40 à l'heure. Bon, voilà. Bon. Avec Diabolo et Satanas. C'est ça. Oh, c'est quoi ce briquet? Oh là là. Dans la merde, dans la vie. Pas de feu, comment je fais? Rester. Voilà, on les invite, hein, les meufs. Hein. Ben moi, je vais chercher une bière, de toute façon. Merci, comment tu fais? Moi, je vais aller voir Tata. Non, elles sont sympas, les nanas. Audrey, elle m'avait carrément... Audrey Hepburn. Quand on prend les replettes et tout. Elles sont gentilles. Non, elles sont gentilles, c'est vrai. Faudrait qu'il y ait Belmondo qui débarque. Oh, et non, ça c'est Depardieu. Oh, tu sens bon là. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu vas trop vite, là, calme-toi là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je vais mettre un coup de boule, tiens, blanc. Oh, tiens, tu l'as eu, là, voilà. Quoi. Oh, tant pis. Pourquoi tu n'es pas des têtes, toi? Je sais pas. Parce que t'es un con. Tu t'as mis dans le guidon du vélo, là, tu vas trop vite, là, calme-toi là. Tu les sens les coussins d'huile là? Non, mais il est bien là. Il est en contemplation devant les gens, lui-même, il a des dons. On n'est pas bien là, hein, à la fraîche, c'est contracté du gland, on baisse ça quand on aura envie de baiser. C'est un compteur, t'es fait pour faire du terre toi. En plus, ça filme, oh putain, j'arrête. En plus ça tourne, oh putain, trop bon. Calme-toi là, tu vas trop vite là. Comment ils sont? Tant qu'il est beau celui-là. J'ai grandi dans ce milieu. T'énerve pas quoi, T'imagines un peu ce de par Dieu le fou que ça devait être. Génial. On est bien là. La machine russe. Il fait tout. J'ai skié une journée. Elle aura pu sauver son fils. Il va dans une toute petite station. La machine russe. Et en fait, j'étais dans la cabine téléphonique. Demande les phages. Demande pas Michel Desprez. Ah, carrément quoi, tu l'as croisé. Non, ouais. Et le mec. La machine russe. Et il m'a fait comme ça. Phages. S'il vous plaît, c'est une petite station familiale, toi. C'est pas des charbons. J'ai essayé toute la journée avec lui et sa femme Elisabeth. Que délire. Des gens super sympas, quoi. Sympas. Tu vas pas dire que Depardieu est là, parce que c'est un morceau de bonhomme, c'est là. Ah ouais, super. Oh là là là. On est bien là. On est bien. Comment ils sont, les mecs? Moi, je vais faire calme-toi là. Tu t'énerves là. Mais il est con ce mec, t'as... T'as mis dans le guidon du vélo, là, hein. Calme-toi, là. Ça va, Allez, bois un coup, allez, c'est bon. On va y arriver, là, Qu'est-ce qu'il y a, tu veux t'en aller? Non, c'est que ça m'énerve, il a un talent fou, mais il ça va. Mais on en rigole, bah, ça ouais, va. Est-ce qu'on peut se désaltérer dans ta salle de bain? J'ai besoin de, comment on dit, à 10 les meufs, de me rafraîchir. Pisse-moi dans la gueule. Avec du talc, hein, ça sent bon. On est bien là. Avec Jean Carmé, t'imagines tous les deux à l'époque. Ah, il y avait un film, la peine. Ils y allaient, ils picolaient. C'était quoi? Il y avait un documentaire, c'est l'autre fou furieux là qui faisait Jean-Pierre Mocky. Déjà, Jean-Pierre Mocky, c'est bon. Et il devait tenir Depardieu et Jean Carmé. Depardieu, c'était le film, il a mis en curé. Depardieu, il disait, on s'échappait, on allait derrière l'église, on se picolait un litre de rouge et on revenait. Et Jean-Pierre Mocky devenait fou. C'est quand même des drôles de tarés. Et l'autre disait, Depardieu, il pouvait tourner. Mais Jean Carmé, quand il était trop bourré, t'imagines le délire. L'autre, Mocky, putain, mais merde! J'ai 30 000 balles pour faire ce film! Assis, Bonanga. Bon, il fallait filmer. Tout cet après-midi, il fallait la filmer. C'était un mardi, hein.
ça va pas revenir de sitôt, ça, moi je vous le dis. J'en ai dit des conneries aujourd'hui. Bon alors, ou tu fais la deuxième, ou tu fais la première à vide. Le temps que j'étudie la guitare. Non, j'ai pas envie de jouer. Le temps que j'étudie la guitare. Bon, après, je la pose. Et pour accorder un peu la guitare par rapport à la basse. On s'en fout, la guitare. T'es trop défoncé, Feg. Allez, pose-moi ça. Non, ça va. Ouais, ça va. Faut jouer deux notes. Mais je te le dis que... Pourquoi voilà, je te jure. Ah, qu'est-ce qu'elle fait Je te jure que... Voilà. Sophie, elle se prend un bain. Ah ouais, ça m'étonnerait bien. Je vais laver les mains. Tu pourrais nettoyer un peu ta salle de bain. Quand même, les poils dans le lavabo. Assis, bonanga, assis, bonangou, ma yuma, 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 maria, magayo. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre froide, il me semble bien que Francis... Elle est presque grand-mère. Et où Francis est parti en vacances. J'entends qu'on s'amuse, qu'on chante. Ouais, alors c'est quoi qu'on a regardé hier? Au bout du coup, là. T'arrives à faire deux notes ou je t'explose? Je suis en train de tu le tiens le rythme ou je t'explose? Bon, attends. Bon, tu dis même ta sœur et tout. Oh, t'énerve pas, Francis, hein, putain. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Laissez. Viens ici, Yuki, viens ici. Oh moi j'ai plus rien à boire. Alors ça c'est emmerdant ça. Ouais. Attention, oh. J'ai une connerie spatio-temporelle. J'ai la vessie pleine. Tu n'avais pas vu que t'étais une chienne. Mais elle m'aime plus que toi. C'est l'heure des croissants. À toi, Moulin! Tout le monde s'en va? Putain, mais croissant carrément. Croissant, il y a beaucoup de beurre dans le croissant. C'est gras. Révin, venez! En Italie, ils font des croissants à pâte feuilletée. Mais dedans, t'as de la confiture. Ils te les vendent à 1€, ils sont comme. C'est bon, les croissants français, il n'y a pas de problème. Mais les croissants italiens, c'est pas pareil. C'est fait avec de la pâte feuilletée. Et t'as, soit tu choisis le Nutella ou soit. La confiture... C'est le rêve, c'est mon rêve. C'est bon. Ah, c'est des croissants comme un cœur. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est pas meilleur, c'est pas meilleur. C'est bon. Et c'est beaucoup moins gras. Non. Dring, dring. Non. Ça y est, tout, c'est le départ. L'entrée dans l'église, il n'y avait que dalle. Que le regard est un gros merdier. Ah, d'accord. Oui, ça y est. Presque ça. J'accélère. Faut sortir les poubelles, ça te fait bien chier. Ouais, bon, alors attends. Je pense encore à toi. Je pense encore à toi. Putain, il avait mis chaud. Vas-y, le mendiant. Tu as perdu ça où? Merde, putain, j'y arrive pas. Non, c'est pas là. Si, c'était là. Il m'a dit de pas dire hardi. Ah, il m'a dit. Jacques Dutronc et Françoise, Juliette. Il y a hardi. Hardi. Je me dis de pas dire hardi. Oh là 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 là. Combien qui sont les mecs? Je voudrais que vous me preniez en considération. Tu lui ressembles un peu. Ah. C'est It's time. Bon, comment ça tire? Connecte-toi quand on se met un Dark Side of the Moon, voilà. Oh là. Tiens, Jean-Philippe. Bon, tout le monde se tire. Eh ben, ciao. Bonne soirée.